Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro. Et cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite à du très lourd, à savoir Godzilla Domination sur Game Boy Advance. Donc un jeu qui a été édité par Atari Games. Et aussi, comment il s'appelle? Ah oui, Infogrames. Oui, alors, oui, non, c'est pas une blague. Infogrames a vraiment programmé ce jeu. C'est quand même assez rare qu'il fasse des jeux Godzilla. Qui ont souvent fait des adaptations en jeu sur des personnages de BD, enfin peu importe. Au moins une chose est sûre, il annonce très clairement la couleur. Alors ce jeu est littéralement tiré de la franchise Godzilla. Alors Godzilla, c'est, vous le connaissez, on l'a vu à plusieurs reprises dans des films de Kaiju, que ce soit de la période des années 50 jusqu'à la période des années 2010-2020. Donc, on va s'intéresser. Alors, vous avez toutes sortes de modes, le story mode, le VS mode, le custom mode et les options. Alors, c'est parti. Donc, on va accepter. Donc, on va faire les présentations. Alors, le fameux Godzilla, toujours King Ghidorah, voilà. Le célèbre dragon à trois têtes. Rodan, ouais, l'espèce de ptérodactyle surdimensionné, un peu badass. Mechagodzilla, le sosie cybernétique de Godzilla. Bref, et ça c'est Mothra, bon, c'est une alliée de Godzilla, Megalon qui apparaît dans Godzilla contre Megalon, et je pense que c'est tout, voilà, il n'y a pas grand chose. Bon écoutez, étant donné qu'on va rester quasiment dans le classique, on va prendre Godzilla. Alors, vous devez traverser divers niveaux à affronter des monstres, et le tout est, suivi par cette jeune femme qui se nomme Connie. Alors, je sais pas si c'est vraiment une collègue d'Aprilonie ou la Aprilonie de, comment dirais-je, de l'univers de Godzilla, mais bon, une chose est sûre, elle a l'air bien mignonne. Alors, donc, bon, apparemment, il va être, une invasion extraterrestre qui va se produire, et on doit jouer le rôle de Godzilla qui va quasiment littéralement jouer les super-héros. Ah bah super, on va affronter Mecha Godzilla Mecha Godzilla, si vous le connaissez pas, c'est en quelque sorte le clone cybernétique de Godzilla. Alors vous avez toutes sortes d'attaques, vous avez les coups de poing, les coups de pied, les super attaques. Bref, le jeu franchement est sympa, mais un petit peu lent sur les bords, quoi. C'est vraiment un jeu quasiment, mais un peu entre Rampage et King of Monsters. C'est vraiment King of Monsters, mais en mode, littéralement, duel de Pokémon, si je puis dire. Bon, alors, attention, oui, alors, faut faire gaffe parce que Mechagodzilla, il a quand même de la ressource pour... c'était facile, hein. Franchement, c'était hyper facile, hein. Si j'avais su, j'aurais dû mettre le mode difficile. Bon, j'ai pris le mode story mode, le mode histoire, parce que j'avais envie, de tester ce jeu et essayer de voir si je peux le finir en entier, si possible. Ah, donc, voilà, on retrouve notre cher ami Connie. Ah, d'accord. Alors, Team One. Ah super, on va faire alliance avec Mechagodzilla et on va affronter Rodan. Voilà. Alors Rodan, je crois que c'était en 1960 et quelques, il apparaît dans son premier film. Alors normalement, ça va être un allié de Godzilla, mais j'ai l'impression qu'il est ici, on doit le combattre. Oui, j'avais oublié de vous dire que dans ce jeu, on peut faire aussi des shops. Enfin, on peut prendre son adversaire et le jeter comme si c'était un sac de pommes de terre. Non, mais là, je suis en train de le maraver, le Rodan. Hein. Je suis en train de le maraver. Hein. Allez, encore. Allez, waouh, super. Bon, ok, j'ai battu tout seul sans l'aide de Mechagodzilla. Non, Mechagodzilla, il a préféré, le laisser. Ah oui, un bonus stage. Ah oui, il faut... alors les bonus stages, ça c'est chiant, il faut quasiment liquider les soucoupes volantes. Et ça c'est chiant parce que là j'arrive pas très bien à les zigouiller. Attends, je vois ce que... Non, merde. Oh là là, je suis en train de me faire pourrir par ces conneries, putain. Oh là là, putain. Ouais, j'aime pas les bonus stages, sérieux, franchement c'est chiant, mais d'une force.
Non, non, sans déconner, j'aime pas les bonus stages. Oui, parce qu'il y a des bonus stages dans ce jeu, et croyez-moi, c'est. C'est pas terrible. Franchement, c'était pas terrible du tout. Et on se calme, les martiens, hein. Ouais, on continue, voilà. Oh, oh, mais ça fait mal! Non, 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 ah, mince! Ah, je fais n'importe quoi. Excusez-moi, je fais vraiment n'importe quoi, je suis désolé, hein. J'ai pas l'habitude, hein. Autant dans les bonus stages dans Street Fighter, c'était assez simple. Mais là, c'est. Dans ce jeu, les bonus stages sont. Dans Godzilla, sont affreux. Allez! Voilà. Allez, Godzilla, allez, on est tous avec toi. Ah, super, c'est terminé! Bon, c'était assez chiant. Voilà, c'était assez chiant. Alors. Oui, alors, quand vous effectuez une mission, vous récoltez des points. Alors, total score. Bon, ça va, franchement, ça va. J'ai assez progressé. J'ai assez progressé, c'est bien. Ah, et on retrouve notre a priori nil à nous, à savoir Connie. Voilà, on a fait le niveau 2, maintenant le niveau 3. Et on va affronter qui? Oh génial, on va affronter King Ghidorah. Alors King Ghidorah, si je me souviens bien, il apparaît dans je sais plus dans quel film, je crois qu'il apparaît dans un film de Godzilla. Et enfin, oui, il apparaît dans un film de Godzilla où Godzilla doit affronter Ghidorah. Enfin King Ghidorah, ça dépend comment on l'appelle. Hein, et il sera aidé par Mothra et Rodan. Oui, alors fais gaffe parce que King Ghidorah, c'est pas un demi-sel. Ce n'est pas un demi-sel. Oh, oui, et en plus, il sait très très bien se battre. Hein. Franchement, non, ça va, il est vraiment badass comme perso, je vais pas dire. Allez. Ouh. Ouais, évidemment, il faut. Oui, alors il faut pas hésiter à. Voilà, je sais pas, je l'ai battu. Non, donc oui, il faut pas hésiter à, comment dirais-je, à bloquer l'adversaire et ensuite le bourrer de coups. Bon, encore un autre niveau fait à l'arrache que j'ai que fini à la vitesse de l'éclair. Ah super. Après le, comment dirais-je, ah oui. Espace, maintenant on va essayer l'Antarctique. Oh génial, on va affronter un duel d'équipe si je puis dire. Oh super, on va retrouver, on va faire une nouvelle fois équipe avec Mechagodzilla et on va affronter Rodan, enfin Rodan et Megalon. Alors Megalon, si je me souviens bien, lui il apparaît dans Godzilla contre Megalon. Alors c'est en fait l'histoire des. Je sais plus si c'est une espèce de monstre. Monstre insecte qui en fait était éveillé par une civilisation ressemblant un petit peu à Atlantis qui est réveillée pour punir l'humanité d'avoir pollué les océans. Et il sera aidé par un certain Gigan qui apparaît aussi dans Godzilla contre Gigan. Il y a une chose qui est assez navrant dans ce jeu, mais il y a certains kaiju qui manquent à l'appel. Il n'y a pas Edora, il n'y a pas. Comment il s'appelle celui-là? Anguillas. Il y a pas non plus Gyrosaurus. Il n'y a pas non plus Baragon. Il n'y a pas. Comment il s'appelle aussi? Bah tiens, Gigan, ouais, que j'avais cité tout à l'heure. Il n'y a même pas Space Godzilla. Non, 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 on a juste mis les autres, mais pas le reste. Bon, voilà pour l'instant, là, Mechagodzilla est aux prises avec Rodan, mais je vais m'occuper de Rodan. Allez, mère! Allez! Mais attends, mais reviens, Mechagodzilla! On fait équipe, je te signale, hein! Allez! Voilà! Parfait! Bon, bah, victoire par équipe, si je puis dire. Bon, le jeu est bien, mais bon, c'est sans trop de plus, quoi. Bon, évidemment, si j'ai par ma malchance, je galère, j'hésiterai pas à abréger le test. Enfin, faut vraiment bien connaître et bien y jouer, hein. Faut vraiment, mais bien être patient. Ah, on retrouve notre ami, enfin notre belle amie Connie Matsu. Super. Et là, on est sous terre. Et on s'approche déjà de la fin, puisqu'il nous reste 3 niveaux. Oh là là! Et je vais affronter 3 monstres, à savoir King Ghidorah, Megalon et Rodan. Oh là 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 là. Ok, je vois que visiblement je vais en chier. Voilà, allez, ouais. Putain, j'ai l'impression de jouer à Street of Rage, quoi. Je vais affronter tout le monde. Et je vais les mettre tous KO les uns après les autres. Allez!
Mais revenez, oh, fuyez pas! Non mais oh, c'est quoi cette bande de tapettes là? Allez, bah tiens, je vais commencer par toi, puisque visiblement t'es t'es à ma merci. Voilà, allez. Oui, alors ce jeu c'est littéralement mais une sorte de beat'em up version mais version kaiju quoi. C'est le jeu, mais franchement c'est bon, il est assez bien sur les bords. Enfin, encore faut-il qu'il le soit vraiment. Allez, encore, allez! Oh putain, c'est pas loyal. Oh, non non, franchement trois monstres c'est un petit peu trop là. Mais non, va à côté. Ils sont à côté. Voilà, allez. Bon, de toute façon, on finira pas le niveau. Oh merde! Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié que Rondon avait une attaque, une espèce d'attaque de nuage toxique. Oh non, mais top, vas-y, c'est comme s'il me rotait à la gueule. Oh là là, mais. Génial, mais l'immaturité dans toute sa splendeur, quoi. Je vais. Mais de toute façon, je vais tous vous saucer! Je vais tous vous saucer! Oula, attention! Oh, attention, parce que là, j'intéresse à bien faire gaffe, parce que. Oula, hein, parce que là, vous avez eu deux barres de vie. La bleue, c'est la barre de vie, et la rouge, c'est la puissance. Oui, parce qu'on peut faire. On peut exercer des super attaques. Oh, super, je suis en train de me. Je les ai coincés, je les ai coincés, je les ai coincés. Ah, super, j'ai battu Mégalon. Voilà, il ne me reste plus que Rodan. Voilà. Ouais, allez, 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 allez. Allez, allez, voilà. Allez, relève-toi. Voilà. Oh putain! Hey, j'ai battu trois monstres à moi tout seul. Non mais, je suis le boss quoi, hein. Eh super, encore un bonus stage. Ah super, après comment dirais-je, les soucoupes volantes, les avions de chasse. Mais oui! Oh là là, j'aime pas les stages bonus dans ce jeu, sérieux, ils sont chiants. Mais c'est pire qu'un épisode de Masha et Micha. Allez, bon, de toute façon, on n'attendait rien de ce jeu, parce que autant les combats sont bien, autant les stages bonus sont nazes. Ouais, ce jeu est bien, mais ça vaut pas, enfin, ça va pas trop, ça vaut pas mieux, comment dirais-je, comment il s'appelle, King of Monsters des studios SNK, qui est sorti sur Neo Geo, lui au moins il avait la classe. Allez, allez, avancez, les avions. Ils sont combien en tout, hein? Bon, pas grave. De toute façon, j'ai vraiment pas envie de le savoir. Allez, voilà, bon, le bonus stage, il est fait. Allez, quand je pense que j'ai battu trois monstres, à moi tout seul, c'est comme si je gagnais un Iron Match. Non, un Iron Man match, mais en mode méga bourrin. Ah, on retrouve notre ami Konimatsu. Avec. Bon, là, on est en plein pôle Nord. Enfin, supposons que ce soit le pôle Nord. Ah bah super, on va affronter Mosra. Bah ça tombe bien, on l'a pas vu celle-là, hein. Oui, alors je sais pas si on va assister ce qu'on peut appeler un combat revanche entre Godzilla et Mosra. D'ailleurs, le Godzilla et Mosra se sont déjà affrontés, c'était en 60, je crois que c'était en 64, au cours des années 70, dans le film Godzilla contre Mosra, qui était réalisé par Inoshiro Honda, le même Inoshiro Honda qui a réalisé pas mal de films Godzilla, notamment le premier qui date de 1954. Voilà, et pour l'instant, la pauvre Mothra, je suis en train de la poutrer! Allez! Allez, là, là, allez, allez, tiens! Voilà! C'était hyper facile. C'était hyper facile! Bon, ok, c'est parfait. Bon, si je me trompe pas, il n'en reste plus que deux.